Zaton, c'est toujours l'occasion, ou presque toujours l'occasion, de découvrir des super bagnoles. Et alors là, franchement, juste absolument sublimissime, une Ford Mustang 1969, Boss 302. On va tout de suite se mettre à l'intérieur pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, bien évidemment, en 1969, vous vous attendez pas à avoir un lecteur CD à l'intérieur et des super enceintes. C'est pas vraiment l'époque, mais en tout cas, elle a une gueule magnifique. Et donc, cette bagnole, on peut la gagner donc durant tout le week-end. La voilà, donc 280 000 crédits. Lord Motus m'a dit quand même qu'il l'avait vu jusqu'à 11 millions dans les enchères. Et on va tout de suite faire un tour avec. Elle est absolument magnifique. Je la trouve sublimissime, vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire ça. Vous allez me dire ce que vous pensez de cette bagnole. Franchement, personnellement, ouais, c'est juste une tuerie. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Elle est absolument magnifique. Et là, en plus, elle a les pneus logotés Forza. Ça donne une classe folle. Écoutez-moi cette musique. Cette douce musique. C'est grandiose. On va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Et on fera de nouveau notre petit tour sur l'autoroute pour voir jusqu'où on peut la monter. En plus, j'ai oublié de préciser, et vous l'avez peut-être vu sur le descriptif de la bagnole, c'est une voiture Horizon Boost Expérience. Si c'est pas beau tout ça, ça explique aussi son prix. Allez, je me tais pour qu'on puisse entendre cette douce musique. Regardez-moi, putain, elle est magnifique, elle est sublimissime. Elle est juste magnifique. Elle est à tomber, cette bagnole. Bon, allez, on va se prendre l'autoroute, comme on fait d'habitude. Ouh, c'était chaud, c'était chaud. Et on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Donc, pour l'instant, elle est absolument pas améliorée. Elle est totalement d'origine. Elle est de 1969. Son année de production. Donc on est sur l'autoroute, on va tout de suite essayer de faire la vitesse de pointe, on va voir jusqu'où elle va monter. Cherchez pas plus loin, 6 vitesses. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas de 7ème. Ouh, 300. Oh, 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 c'est juste, c'est juste, c'est juste. Et regardez-moi le compteur des points qui s'affole en haut. Il s'affole, il s'affole, il s'affole. Ah, c'est juste génial. Et on est à 330, on a fait 330. Ah là 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 là, c'est chaud, c'est chaud. En plus, ça, elle glisse pas mal, elle chasse beaucoup. 300. Ah bon, 330, 332, j'ai vu. C'est plutôt pas mal pour ce genre de bagnole. On va quand même juste s'arrêter pour pouvoir récupérer. Et ben quand même, malgré tout, on va quand même récupérer tous ces points. Avant de se prendre un mur ou autre chose. 164 000, c'est pas rien. Oh là 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 là, le démarrage, ça chasse de tous les côtés, c'est juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, comme dit, lâchez-vous vraiment dans les commentaires. Laissez bien évidemment un petit like, laissez un petit pouce vers le haut, c'est toujours sympa. Ça donne toujours envie de faire des vidéos. Ce qu'on va faire, ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre l'autoroute dans l'autre sens. Et puis on va, ouais, on va l'améliorer. On va l'améliorer, on va se prendre l'autoroute dans l'autre sens. On va faire demi-tour comme je fais d'habitude. Et puis on va, comme ça, on va pouvoir un petit peu comparer avant, après. S'il y a vraiment un avant, un après, ce sera toujours intéressant de voir ça. Allez, encore quelques points. Comme ça, on va pouvoir
Déjà voir jusqu'où on peut la monter. Allez, on est ravi. En S1, 900. 889. Regarde, sans déconner, elle n'a pas la classe cette bagnole. Mais vraiment, sans déconner, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires sur cette bagnole. Moi, franchement, je la trouve sublimissime. Alors, je sais que j'ai fait beaucoup de gameplay dernièrement où j'ai pas forcément enregistré et donné mon avis et vraiment fait le taf. Mais là, ça me semblait absolument nécessaire. Et en plus, j'ai un petit peu de temps pour pouvoir le faire. Aïe, aïe, aïe. Par contre, ça dérape. Alors, par contre, la différence, là, je la sens pas trop. Si c'est que j'ai l'impression qu'elle chasse encore plus qu'avant. Peut-être qu'elle accélère un petit peu plus vite qu'avant. On va voir si elle va... Si elle va plus vite. Ah non, 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 mais c'est une plaisanterie. Et je suis déjà au taquet. Ah, j'ai fait 333. 4. Non, 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 mais ça va pas, ça. Eh oh. Bon. Conseil, ça sert à rien de l'améliorer. Vous le voyez en live. Alors c'est sûr, c'est pas grand chose, hein, c'est 37 000 crédits, un truc comme ça. Donc voilà, les gars, on s'en fout, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais franchement, je vois pas la différence. Je vois pas la. Et en plus, merde, j'ai même pas fait gaffe. En plus, j'ai l'impression qu'on loupe. J'ai l'impression qu'on perd le logo Forza. Sur les jambes, pas sur les jambes, sur les pneus. J'ai l'impression qu'on perd ça. Et franchement, bah ça enlève un petit peu de son charme. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous demande beaucoup votre avis dans cette vidéo. Mais... Ouais, bon là c'est le bordel. Allez, on va aller à l'aéroport. Pour faire le test. Tout de suite de... Voilà, donc on arrive à l'aéroport. Pour faire le petit test, le speed test de notre sublime voiture. Ouais, ça accélère quand même pas mal. Merde, elle a perdu les logos Forza sur les pneus. Ça, j'ai pas fait gaffe. Ah, si c'est ça, ça enlève quand même pas mal de son charme. Mais ouais, elle a de la gueule avec la jupe à l'avant. Et on la pousse au max. On arrive largement à la pousser au max sur la ligne droite de l'aéro... Merde, excusez-moi. Excusez-moi pour ces petits coups de klaxon. Ok, en plus elle vole plutôt pas mal. On va voir après ce que ça donne hein, dans l'échange. On va pas faire un test ici. Faudrait approfondir tout ça, mais on va se faire simplement maintenant la piste dans l'autre sens pour confirmer ce qu'on a vu. Bon, il y a pas mal de bagnoles de cette époque-là qui traînent sur les routes, et ça me plaît vraiment beaucoup. Je pense que je ferai une autre vidéo avec cette bagnole, parce qu'elle est vraiment sublimissime. N'hésitez pas, bien évidemment, pour ceux qui font ou qui n'ont pas l'habitude de faire le Forzaton, n'hésitez pas à le faire. C'est nécessaire d'avoir cette bagnole. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à le faire aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous plaît. Elle n'est pas encore finie. Alors on va quand même toucher au but. Hop, 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 hop. Bon, c'est sûr, elle est quand même vachement moins belle comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo a pu vous aiguiller un petit peu sur cette nouvelle voiture dans le jeu. Et puis, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut et je vous dis à très bientôt. À ciao !